Abonnez-vous, mes amis. Ça, c'est la nouvelle version déjà. Abonnez-vous. Vous pouvez liker, vous pouvez vous abonner. Vous pouvez n'oublier surtout pas la cloche qui est tout en bas là. Pour avoir tout le temps mes vidéos. Chaque fois que je vais poster une vidéo, vous verrez ma vidéo. Donc, ça va être pendant un temps. Je vais voir ce que ça va donner. L'introduction, voilà, c'est pour Dieu si nous vendre ceci. Bonjour, bonsoir, ça dépend là où vous êtes. Aujourd'hui, j'ai une vidéo, donc comment récupérer ses chances volées. Ça, c'est clair qu'on peut voler vos chances. Peut-être même étant enfant, on voit déjà tout de suite que où vous allez être une personne. Donc, on prend ça, on va bloquer ça ou bien on va enterrer ça quelque part. Ça, c'est clair. Maintenant, là, c'est là où on souffre. On a oh, pour manger même, c'est tout un problème. Ou bien c'est là où vous avez souvent, ou bien c'est les hommes de nuit ou bien les femmes de nuit qui décident de vous nuire votre vie. Mais ça, c'est terrible. Là, il faut vraiment bagarrer, je dis encore bagarrer pour arriver. Et comme j'ai dit, j'ai toujours dit ça dans mes vidéos, que là, le destin, parce que moi, je crois au destin, je ne crois pas en autre chose. Je pense que chaque personne a un destin. Donc, si tu as un destin qui est vraiment, tu sais pas comment, génial. Mais, et qu'on a bloqué ça, c'est que est-ce que tu vas récupérer ça un jour? Mais à quel âge? À quel âge tu vas récupérer tes chances? Et tu vas profiter de ça avant de partir de ce monde? C'est ça le problème. Parce que c'est le cas où on souffre, on souffre, on souffre, on ne sait même pas où mettre sa tête. Parfois même, on fait en sorte que tu ne tombes, tu ne vois même pas ce qui se passe. Pour toi, tu penses que la vie, c'est normal. Parce que on t'a bloqué de tous les côtés. Posez-vous souvent des questions, pourquoi certaines choses sont comme ça là dans votre vie. C'est très important, mais pour avoir la réponse, je ne vous mens pas que la plupart des gens qui sont bien, ils font la voyance. Ça, c'est clair. On fait toujours la voyance, qu'on ne vous mente pas. Que quelqu'un ne vient pas mettre son hypocrisie, c'est pour dire que Jésus a fait quoi? Jésus a fait quoi? Moi, Jésus n'a pas été dans ma famille, oh. Si je rêve quelqu'un, ce sont mes ancêtres qui sont partis que je rêve. Moi, je n'ai jamais rêvé de Jésus. Donc, il n'était même pas... Moi, je suis camerounaise. Hein. Il n'était même pas un Camerounais. C'est un gars qui est là-bas, qui était là-bas. Il va quitter, il va, au lieu d'aller apparaître... Tout quoi, ça, c'est ma version. Au lieu d'apparaître dans sa propre famille, il va venir apparaître dans ma famille. Il ne me connaît pas, il ne connaît pas ma famille. Donc, faites attention, allez d'abord voir, peut-être même, moi je vous conseille même trois voyants. Si les trois personnes là disent la même chose, là, vraiment, vous allez, ils vont vous, peut-être eux, si vous voulez, ils peuvent vous choisir quelqu'un parmi eux, qui peut vraiment vous conseiller quelque chose, quoi. C'est comme aller chez un médecin, parce que quand tu vas chez un médecin, le médecin va d'abord te diagnostiquer avant de te prescrire le comprimé. Je pense que tout le monde est d'accord avec moi là. Donc maintenant, si c'est un truc simple, que vous n'êtes pas attaché, vous n'êtes pas bloqué, vous pouvez venir me voir. Quand vous voyez toutes ces choses-là, il y a mon savon de chance qui est là. Il y a la protection. Ça, c'est le savon de protection. Il y a la vidéo de ça. Ça, il y a fait la vidéo de ça aussi. Là. Donc, il ne reste que ça. Mais je pense que d'ici peut-être la semaine prochaine, je vais faire d'autres savons. Quoi. Il y a le soufre qui est bien pour la protection, pour le... Les ouvertures aussi. Il y a le citron. Il y a même le savon avec à base du citron. Mais c'est beaucoup de citron. Pour une personne, vraiment, il faut 41 citrons pour faire le savon là. Si vous voulez, je peux vous faire ça. Comme je vous ai toujours dit, vous voyez, c'est 41 parce qu'il y a 41 sortes de sorcellerie. Donc, vous voyez, il y a même la purification avec les feuilles d'hysope qui sont aussi très puissantes. Il y a même le désenvoûtement. Bon, là, je vais vous donner ça. Pour aller voir quelqu'un qui est spécialisé dans ça, il va vraiment vous montrer comment faire ça. Il y a aussi le désenvoûtement de ton habit qui est très, très bien. Parce que moi-même, j'ai fait ça. Moi-même, j'ai fait ça. Il y a ça. Il y a même vos ongles, il y a même vos cheveux. Il y a plusieurs sortes de désenvoûtement. Hein. Allez voir quelqu'un qui est spécialisé dans ça. Il y a même la papaye. Il y a aussi la papaye. Les choses même qu'on mange là, on a tout le temps là. Mais comme je dis toujours, c'est ce qui sort dans la bouche qui devient la magie.
Vous-même, vous pouvez transformer tout ça là en magie. Alors que moi, je vois que c'est naturel. Mais vous transformez ça en autre chose. C'est là où ça devient compliqué. Il y a même la purification avec avec du charbon. Il y a la purification, il y a le désenvoûtement avec la cendre, qui est aussi très puissante. Si vous connaissez quelqu'un, allez voir la personne, vous parlez lui de ça. S'il connaît, il va d'abord s'éteindre, ça c'est clair. Il va d'abord rester tranquille avant. Je sais qu'il va rester tranquille. Parce que c'est un truc qui est très puissant. Si on te fait ça, vraiment, tu es bien. Il y a même la protection avec les ongles, la protection avec les cheveux. Donc, tout ça là. Pourquoi il y a tout ça? Parce qu'il y a 41 sortes de sorcellerie. Donc, il faut comprendre. Pourquoi il y a aussi tant de choses? Parce que tu peux faire quelque chose avec ceci, ça ne marche pas avec toi. Parce que ce n'est pas ce qu'il te faut. Il te faut autre chose. C'est la raison pour laquelle aller voir un voyant pour regarder vraiment votre vie. Comment faire? Comment vous suivre? S'il ne peut pas vous changer, vous allez voir quelqu'un d'autre. Ce qui est sûr, vous allez arriver à trouver quelque chose qui vous convient très bien. Il y a même aussi le désenvoûtement avec les clous de girofle, avec la purification aussi, qui va avec, quoi. Bon, maintenant, là, si vous voulez, bon, il y a aussi ça, hein. Si vous voulez autre chose que moi, je peux vous aider, qui n'est pas compliqué. Si vous n'êtes pas attaché, si vous n'êtes pas envoûté, je peux vous aider. Alors, maintenant, si vous voulez aller voir les voyants là, parce qu'il faut que je vous dise, ce n'est pas gratuit. C'est même mieux de ne même jamais rien prendre gratuitement. Ça, c'est là où c'est avec les années, avec l'âge, quand on a une personne qui réfléchit, qui commence à comprendre, comment ça marche les choses. Le gratuit n'est pas bien, comme que je vous dise. Non, ce n'est pas bien. Donnez toujours quelque chose en échange pour que ça soit bien, pour que ça vous porte un plus sur vous. Parce qu'il y a un gars qui, je ne sais pas si c'est un gars, il y a des gens quand j'envoie, je ne dis pas qu'on paye avant. Ils viennent me dire que la personne a demandé l'argent. Même si tu n'as pas pensé, même si je ne t'ai pas dit, tu dois normalement penser que ce n'est pas normal qu'une personne que tu ne connais pas. Moi, ce sont les gens que je ne travaille pas avec eux. C'est seulement l'aide que j'aide. Donc, je vous aide, je vous aide et j'aide aussi ces mêmes gens-là. Je ne les connais pas, ce sont les abonnés. Hein? C'est quelqu'un qui s'est approché à côté de moi, me dit que maintenant, Jean, je fais ça, et fait. Dit que, ok, si j'ai quelqu'un qui en veut, je veux t'envoyer je t'envoie la personne, mais moi, je ne prends rien en échange. Ça, c'est clair. Voilà un peu ma vidéo que je voulais vous proposer aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, j'ai décidé de ne pas faire la cuisine, mais. Je vais faire autre chose. Je vais manger du poulet. Je vais manger du poulet aujourd'hui, du poulet frais aujourd'hui, mais j'ai préféré ne pas filmer ça ou quoi. Voilà la vidéo. Donc, je fais un peu le récapitulatif. Donc, si on vous a volé vos chances, comment récupérer ces chances qu'on nous a volées? Comment récupérer ces chances? Donc, vous pouvez aller voir quelqu'un, soit on va d'abord, ce qui est sûr, on va d'abord vous débloquer. Ou bien, faites d'abord la voyance pour voir si c'est vraiment ça qui vous dérange. Après, si c'est vraiment ça, on va d'abord vous débloquer, on va vous faire donner la purification et après, on va vous protéger. Après, quand on va vous faire ça, on va vous demander de faire un don, voilà. On vous demande de faire, après, toujours à faire les dons aux gens, c'est très important, ça aide. Moi, même ce matin, là, parce que j'ai fait un rêve. J'ai posé la question, on m'a dit que, mais Jean, il y a un truc que tu ne fais pas. Et vraiment, j'ai dit que c'est juste. Il faut faire toujours les dons, c'est très important. Faites aussi les dons après. Après, bon, ceux qui ont reçu quelque chose de moi, c'est quelque chose que je ne vous ai pas dit. Si vous regardez la vidéo, faites les dons. Les dons, c'est très important. Ça va vous donner aussi un plus, quoi. Quand on donne, on reçoit. Ça, c'est clair. Si tu ne donnes pas, tu ne reçois pas. Voilà un peu. Donc, il y a mon savon est là, si vous voulez mon savon. Mes deux savons sont là. Il y a aussi la pommade que je peux aussi vous proposer la pommade.